Good morgen, allez, idem les tutos aujourd'hui, les lunishmat, amram yona, ben chana, pegi bat ester, zarabat mazal tov, shishportish, simon bat leoni, michel novikov, aussi de refouat, route bat clodin traina, et simcha bat masoudi betor, char, hol israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Joad Perek Vav, Mishnah Hey. Ve eilu dvarim, che ein nishbaïn aleem, haavadim, ve ashtarot, ve akarkaot, ve aigdeshot, ein bahen tachlome kefel, ve lo tachlome arba va chamisha. Shomer chinam eno nishba, nosse sachar eno meshalem. Rabbi Shimon Omer, kodeshim shechayav b'achar yutan, nishbain aleem, veshenu chayav b'achar yutan, en nishbain aleem. On avait la Mishnah presque la même dans Baba Metzia, dans Perek Dalet Mishnah Tet. Donc on va la refaire, bien sûr, c'est pas grave. Tout simplement, on va le dire traduire directement. Ve'elu dvarim she'en nishbain aleem. Telles sont les choses sur lesquelles on ne jure pas. Inclure, lorsqu'on parle de ne pas jurer, deux sujets. Qui sont la joie de Modé Bemiktsat, Modé Miktsat Atana, lorsque je réclame quelque chose et toi tu reconnais une partie, ce qu'on est en train d'apprendre dans notre Perek, et ce qu'on va évoquer à partir des prochains Frakim, la Shvuat Hashomrim, les gardiens, lorsque j'ai mis en dépôt mon bien chez quelqu'un pour qu'il le surveille, et celui-ci, après il revient me voir et il me dit c'est pas de sa faute, il y a eu un voleur qui est venu, qui l'a braqué et qui l'a pris. Donc je suis en droit de le faire jurer la Shvuata Shomrim, qu'on a donc l'occasion d'apprendre Bezrat Hashem. Et donc, la Mishnah va nous enseigner « Ve'elu dvarim she'en nishba'in alehem » Telles sont les choses pour lesquelles on ne jure pas pour elles. Soit la Torah, elle a dit, quand elle a donné le droit d'imposer, de jurer, alors elle a exclu malgré tout qu'on ne jurera pas sur les avadim, sur les esclaves, « Ve'hashtarot » et sur les contrats, Ve'akarkaot, et sur les biens immobiliers, les terrains, ve'ha'ekdeshot, et ce qui appartient au ekdesh. On fait toute la série, après on explique, d'accord? Pour toutes ces quatre choses-là, donc redonner les avadim, shtarot, karkaot et ekdeshot, en ba'em tashlum et kefel, idem, si on les vole, alors on ne sera pas possible de payer ensuite le kefel, si on les vole en cachette, par exemple, si je vole à un esclave, l'esclave de mon voisin, et qu'après on m'attrape, et donc je dois maintenant rendre l'esclave. Si je lui avais volé sa vache, j'aurais dû payer deux vaches, le kefel, parce que je l'ai volé en cachette. Et bien si c'est un esclave, je ne devrais pas lui rendre. Idem si je lui volais un shtar, un contrat, qui est quelque chose que en gufo mamon, c'est quelque chose qui n'a pas une valeur intrinsèque, mais plutôt qui représente une valeur. Donc en soi-même, il n'a pas de valeur. Donc, il n'a pas de valeur intrinsèque, qui représente quelque chose. C'est une finesse un petit peu. En gufo mamon, ça s'appelle. Donc, si je l'ai volé, je ne serais pas passible de payer deux fois le montant du shtar, ni même le papier d'ailleurs. Ve'akar kaot, et aussi si je l'ai volé un terrain, par exemple, en cachette, j'ai déplacé la barrière de séparation entre mon terrain et son terrain, je l'ai volé un mètre, et qu'après on m'attrape, et ben on ne va pas me demander de rendre deux mètres maintenant. Et aussi, pour les hekdeshot, si je lui ai volé quelque chose qui était kadosh, soit, par exemple, il avait son korban, il avait pris un mouton, il comptait le faire en hola. D'accord? Il avait été ma friche, il a désigné ce mouton, dans 3 semaines, il doit monter à Jérusalem, il va en faire un corban hola. Et moi, je suis venu en cachette et je lui ai volé. Eh bien, je ne devrais pas lui rembourser le double. Idem aussi, s'il me soupçonne de l'avoir volé, ou que je vais jurer, je ne serai pas passible du corban de Shuvat Modé Bemiktsat. Il n'y a pas non plus de tachloum de 4 et 5. Donc on parle surtout pour le Hekdesh cette fois-ci, si c'était un animal du Hekdesh que je lui ai volé en cachette, et qu'après je l'ai même égorgé, ou je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, en théorie j'ai un knas de payer 4 et 5 fois, et bien là je ne paierai pas, étant donné que je ne paye pas le Kefel, donc tachloum 4 et 5, velo tachloum 3 et 4, puisque le knas, l'amende de payer 5 fois le montant ou 4 fois le montant si c'est un taureau ou si c'est un mouton, ça inclut qu'il y a dedans le keren, le capital, avec le kefel, le double, et en plus de ça, le payer le tachlomé, le supplément pour arriver à 4 et 5 fois. De ce fait, puisque le hekdesh est exclu de payer le kefel, donc il n'y aura pas non plus de tachlomé rabat ramisha. Idem encore, shomer chinam enonishba. Si il m'avait demandé de surveiller son taureau, il comptait en faire un korban, hola, shlamim. Il comptait en faire un shlamim, par exemple. Il m'a demandé de le surveiller.
Et il me l'a donné à garder pour une journée. Et puis là, je lui raconte qu'il y a eu un voleur qui est venu, qui l'a volé en cachette. Et que j'ai essayé même de le retrouver, et je ne l'ai pas retrouvé. Il va me dire, bon, bah, viens et jure que c'est pas toi qui en a fait des bons steaks à midi. Donc il a le droit de me réclamer de jurer. Et bien là, puisque c'est un animal du Hekdesh, il ne pourra pas me réclamer. Idem encore, s'il m'a mis en dépôt un shtar, il m'a donné des contrats, des chèques qui appartiennent à lui, donc que Reuven lui a signé, il me les a mis chez moi, et puis moi je lui dis, ils ont disparu, on me les a volés. Eh bien, je n'aurai pas le devoir de jurer sur ces shtarot. D'accord ? Idem encore, nosé sachar et nosé shalem. S'il était un gardien rémunéré, un nosé sachar, shomer sachar, alors non plus, s'il a failli, il a manqué à le garder comme il fallait, il ne devra pas malgré tout. Il ne devra pas payer comme c'est l'alakha en général dans les shomrim. On s'arrête là tout de suite et on explique quelle est la source de cette alakha. La source de cette alakha, c'est le même pasouk qu'on rapportait dans la mishnah précédente. Ah, j'ai perdu mon papier. Ah, c'est pas grave. On est dans Parashat Mishpatim, Perek Avbet, pasouk. J'y suis une seconde. Voilà, on est dans pasouk Vav. Kita nishel reu kesef okelim lishmo. Excusez-moi, avant de lire le pasouk, d'abord, on va introduire une notion qu'on connaît probablement tout celui qui a déjà fait au moins une fois par an, de temps en temps, qui fait la tefila complète en lisant ce qu'il y a avant Houdou. Ouais, il y a là-bas les Korbanot, et ça se finit avec la Braïta de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous donne 13. Par 13 clés, la Torah, elle est interprétée. On a des codes de lecture de la Torah, qui sont des manières de déduction transmises à Moshe Rabbeinu. L'une d'entre elles, c'est le klal ou prat ou klal. Dans plusieurs endroits, vous savez bien que la Torah est très radine sur les mots. Elle ne parle pas pour rien. Et si la Torah, des fois, vous allez voir qu'elle va parler, elle va nous donner une généralité, et puis après, elle va donner un exemple. Et puis après, elle va reprendre la généralité. C'est ce qu'on appelle un klal ou prat ou klal. Et lorsqu'on est dans un klal ou prat ou klal, c'est un code de lecture qui va te dire, sache que il faut que tu incluses dans cette halakha, tout ce qui ressemble à l'exemple qui a été pris, mais sans le limiter trop à cet exemple spécialement, un petit peu plus large. Tu inclus tout ce qui ressemble au prat. Selon des règles bien définies, Chachamim savait définir selon chaque chose. Lorsque je te donne, selon le nombre de cas, il y a plusieurs critères intrinsèques aux choses. C'est très, très profond. D'ailleurs, il y a Tosot qui explique, qui dit dans quelques endroits, nous on n'a plus la force de déduire de cette manière. Ce que la Torah, la Gemara nous a dévoilé, alors on déduit. Ce que la Torah ne nous a pas dévoilé, on ne se permet pas d'interpréter parce qu'on n'a pas. Il faut savoir définir. Lorsque je veux vous dire, il a volé un animal, c'est quoi un animal? C'est forcément quelque chose qui a de la chair avec quoi on peut faire des steaks. C'est quelque chose qui a en fait 4 pieds. Et si c'est un animal qui a 2 pieds, ce sera différent. Et si c'est quelque chose qui bouge, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui a un bien mobilier, ou finalement c'est tout simplement un bien tout court. Il y a plusieurs règles, d'accord? Vous comprenez bien la difficulté, la finesse. Dans notre paracha maintenant, du Shomer Chinam, alors la Torah, il y a en réalité dans cet endroit-là deux fois un klal ou prat ou klal. Parce qu'on parle de deux sujets un peu différents. Une fois c'est la réclamation, et l'autre fois c'est quand on passe à la caisse. La Mishnah commence « Kiten ishel reu kesef okelim lishmor » lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des ustensiles à garder. Ouais. Et après, il y a eu des accidents. Donc je pourrais le prendre, le réclamer, l'amener au Beddin et le faire jurer. C'est ce que la paracha continue de raconter. Là, « Kiten ishel reu » c'est déjà une généralité, même si c'est pas dit, on n'a pas dit le mot d'avar, mais en tout cas ici, kiten ishenreu lishmor, on aurait très bien pu supprimer les mots kesef, okelim, de l'argent et des ustensiles, lorsqu'un homme donnera quelque chose à son prochain à garder. La Torah m'a dit en plein milieu des détails, en me disant kiten ishenreu kesef, okelim, ok, il me sort. Et la Torah m'a répété le mot lishmor. Mais kitso, on déduit de là qu'il y a un klal ou prat ou klal. Et dans ce cas-là, on va faire un i atadan et la ke'en aprat. Et on va déduire de là que tout ce qui ressemble au prat va être inclus dans cette paracha des shomrim. Soit d'avoir un mitaltel vegufo mamon. Quelque chose qui est mobilier, un bien mobilier, ouais, qu'on peut déplacer, un objet ou même un animal. Et gufo mamon qui a une valeur intrinsèque. À exclure tout d'abord deux choses, les karkaot et les shtarot. Les karkaot, c'est les biens immobiliers, c'est pas quelque chose qu'on donne à garder, mais c'est quelque chose que tu viens et tu le gardes, c'est pas quelque chose qu'on transmet de main à main.
et aussi un shtar, comme ce qu'on a dit, qui n'a pas une valeur intrinsèque, mais plutôt qui représente quelque chose. Le shtar, si jamais on le mouille un petit peu, il va plus avoir de valeur. Il n'a pas une valeur intrinsèque, d'accord? Il représente, ce qui nous intéresse, c'est la preuve qu'il représente, c'est pas dans son état lui-même d'avoir cette valeur. Après, les avadim, les esclaves, yin et kesh, c'est un autre pasouk dans la Torah d'ailleurs, qu'on déduit, il y a un hekesh, on le juxtapose, les esclaves aux biens immobiliers, au terrain. Donc de ce fait, partout on va exclure les biens immobiliers, on va exclure aussi les esclaves, et les karkes, et les hekdesh, le hekdesh, on va l'exclure du fait qu'il y a marqué, kiten ish el reu, lorsqu'un homme donnera à son prochain. Pourquoi tu insistes en disant, kiten ish el reu, à son prochain? Il faut que tu le transmettes d'égal à égal, et pas que tu transmettes quelque chose qui appartient au hekdesh, qui est saint au Beth Amikdash, que tu transmets à ton prochain, c'est plus un homme envers son prochain. Et il y aura ensuite, à la fin, ça, tout ça c'était pour la transmission de la Shmira. Après, il y a pour la condamnation à le payer le Kefel, la Torah continue, nous répète encore une fois. Al-Kol Dvar Pesha, Al-Shor Al-Khamor Al-Se Al-Salma, Al-Kol Aveda, Asher Yomar Kiyose, c'est une insistance qui nous dit de nouveau, tout, par exemple, Al-Kol Dvar Pesha, pour toutes les sortes de fautes qu'il pourra faire, pour un taureau, pour un âne, pour un mouton, pour une robe, pour tout ce qu'il pourra trouver. Regardez ces insistances comme ça. Alors de là, de ces petits mots, on déduit que c'est un klal ou prato klal, et de là, de nouveau, on va déduire le même principe. Avoir metaltel, megufo mamon, à exclure donc karkaot, shtarot, avadim, parce qu'on cache les karkaot, et puisqu'au début de la paracha, il y a marqué ishel reu, pour son prochain, donc on déduit que c'est à exclure les hekdesh. Ok? Selon ce principe, donc, c'est ce qu'on a exclu dans toute notre Mishnah, en disant qu'on ne lui imposera pas de jurer, pour toutes ces choses-là qu'on a évoquées, on ne lui imposera pas de payer le kefel, ou le tachlom arba vachamisha, payer le double lorsqu'il a volé en cachette, on ne l'imposera pas au shomer chinam de jurer même de nouveau. Ouais, c'est une sorte de serment, comme ce qu'on a dit, modé bémiktsat, il reconnaît partiellement, ou encore il affirme qu'il a été volé malencontreusement. Donc il devra jurer, et dans ses sachars il devra payer, c'est la parja juste après, il y a aussi un ekesh. Là-bas c'est même écrit, de nouveau autrement, shor o chamor osé, shor o chamor. Et on a fini la première partie de la Mishnah. Avant d'attaquer la deuxième, je propose que maintenant on fait très rapidement le Barthénora qui va répéter tout ce qu'on a dit à l'oral. Donc au lieu de finir, après de revenir, qui va falloir tout expliquer, on va aller plus vite. Parce que la deuxième partie de la Mishnah, c'est quelque chose de plus fin, qui vaut mieux mettre le, se concentrer dessus sans revenir ensuite après. Avadim Ashtarot Vakarkaot. Donc à exclure les esclaves et les Ashtarot, les contrats, les reconnaissances de dette, Vakarkaot et les biens immobilier. Dirtiv, comme dit le pasuk, alkol dvar pesha klal. Pour toute faute qu'il fera, généralité. Alshor alchamor alsalma prat. Tu me donnes ensuite quatre exemples. Un taureau, un âne, un mouton et une robe. Donc deux, quatre détails. Alkol aveda. Tu reviens, tu m'exclus toutes sortes de pertes qu'il pourrait y avoir sur lesquelles il y a une réclamation. Trazar mekalal. Donc il est revenu, il a repassé un nouveau klal. Klal ou pas, au klal. On a l'arrêt qui nous dit généralité, détail, généralité. I atadan elake en aprat. Tu ne pourras déduire que cette halakha ne s'applique que pour ce qui ressemble au prat. Et donc, ma prat meforash, d'avoir mis tel gufo mamon, aussi bien que le détail, les exemples évoqués, qui sont explicites, sont des choses qui sont mobiliers et qui ont une valeur intrinsèque, af kol d'avoir mis tel gufo mamon, aussi bien aussi tout ce qui se déplace, donc les biens mobiliers, et qui a une valeur intrinsèque. Yatsu karkaot, shenan mitatelin, on exclut de là les terrains qui ne sont pas mobiliers, ils sont immobiliers. Yatsu avadim shokshu de karkaot, en plus de ça, on exclut aussi les esclaves qui sont toujours juxtaposés au terrain, parce que c'est un pasouk, Vidnachal Tamotam, c'est pas rapporté ici, mais bon. Yatsu Shtarot, on exclut aussi de là les contrats, les reconnaissances de dette. Shaf, Alpishamitatale, Inangufamamon, bien qu'ils soient des biens mobiliers, un contrat, ça se déplace, mais en Angufamamon, il n'a pas de valeur intrinsèque. Shekol Eloen Nishbein Anen, pour tout ce qu'a évoqué, on ne jurera pas pour eux. D'accord? Si je les dépose chez toi, je te demande de le surveiller, il y a un problème, après tu mens. Je soupçonne que tu mentes, je te demande de jurer, et ben tu seras pas imposé de jurer, la Torah ne l'a pas imposé. Ve hekdesh, et pour le hekdesh, l'animal qui appartient au Beth Amikdash, en nishbein alav, on ne jure pas dessus, parce que le pasuk commence en nous disant, tirtiv, ki ten ishal reu, lorsqu'un homme donnera son prochain, veloshad hekdesh, et pas au hekdesh. En ben tachlom kefel, on ne devra pas payer non plus le kefel, de payer le double si le voleur est attrapé. De behaned davka marbinan ke'en aprat, uniquement pour ceci. On déduit ce qui ressemble au détail. Dirtiv, Beota, Paracha, Yeshalem, Shtein. D'accord? Tout est la même Paracha. Elle parle du chômer, mais elle parle en réalité même de payer le Kefel. Velo, Tachomer, Bava, Kamisha, on ne payera pas non plus le 4 et 5 si on a volé et on l'a égorgé. Décolle, Achadelika, Kefel, parce que, grande règle, à chaque fois qu'il n'y aura pas de Chiyuv, Kefel, de payer le double,
Il ne faudra pas non plus payer 4 et 5 fois le montant. Des Keivan de Kefel, à voler au Teshlomé, Shlosha. Puisque si déjà tu dispenses de payer le Kefel, de ce fait, tu ne pourras plus jamais payer 4 et 5. Maximum, ce sera 3 et 4. Or, et la Torah a toujours, quand elle a donné le Knas, elle a demandé de payer 4 et 5 fois et pas 3 et 4 fois. Shomer Rinam Nonishba, le gardien Rinam bénévole, ne devra pas, n'aura pas besoin de jurer. Shomer Rinam en Loalav et la Shvoa. Le Shomer Rinam, de manière générale, dans le cas dont on a parlé, il ne doit uniquement que jurer et se dispenser tant qu'il n'a pas été pochéa, il n'a pas fauté, il n'a pas commis une erreur grave. D'accord, il a manqué à son devoir, franchement, il a laissé la porte ouverte, par exemple. Donc il n'aura pas fait ça, il devra juste jurer, dire Ti, Venikrav, Balabait, El Elohim, Yolanche, El Achado. Il devra, le propriétaire l'approchera devant les juges et devra jurer qu'il n'a pas tendu la main, qu'il n'a pas utilisée pour lui. Vota, Paracha, Bishomer, Chinam, Nemra, et cette Paracha-là parle du Shomer, Chinam, Vala, Vadim, Vala, Karkaot, Vala, Shtarot, et Nonishba. Donc il ne jurera pas non plus sur les esclaves et sur les biens immobiliers et sur les Shtarot, sur les contrats. Et Nonishba. Il ne jurera pas. Des alfinan là, car on le dit, midirtiv, comme le pasuk nous dit, qui était nishen rehu, comme le pasuk nous dit, lorsqu'un homme transmettra à son prochain klal, kesef ukelim, de l'argent et des biens, et des ustensiles, prat, détail. Lishmor a gardé, de nouveau, chazar vekalal, il est devenu, il a reposé une généralité. Klal ou prat ou klal, yatadan el akana prat, ma prat, me farja betatel ou kufamon, akol d'abord et tatel ou kufamon, yatsu kakao de la fintatelin, de rouler la même chose qu'en haut, d'accord? Vous remettez le cours en arrière, vous prenez les deux minutes, vous revenez en avant. Et de kol ané d'amrinan, bahou et non ishba. Et tout ce qu'on a évoqué tout ici, il ne devra pas jurer. Davka joua d'oraita, attention, le Barthélemy nous apprend une grande règle. Sache que ce qu'on a dispensé de jurer pour toutes ces choses-là, hein, c'est uniquement la shvoa de Horaïta, la shvoa explicite par la Torah. Mais malgré tout, comme on avait évoqué l'histoire de la shvoa de Heset, que Chachamim sont venus, et on dit que dans tous les cas, on fera malgré tout jurer, dans plein de cas, on élargira beaucoup plus le tir, de ce fait en l'occurrence, Aval la shvoa de Heset leolam chayevin neshava vadaï, que pour la shvoa de Heset, midera banan, qu'on va l'imposer, on va l'inciter à reconnaître en lui imposant de jurer, là il devra malgré tout jurer même sur ces choses-là. Nos sechadan no meshalem, le gardien rémunéré ne devra pas payer. Gneva Aveda, Akatouf Bo, Le Chiyuv. On rallongera l'histoire du Shomer Sachar exactement, mais pour le moment, juste retenez l'idée. Shomer Sachar, qu'un gardien rémunéré, il est imposé de mieux garder. De ce fait, il ne sera plus dispensé selon le cas. D'accord, je lui demande de garder. Le gars, il a fermé la porte et il est parti travailler dans une autre pièce. Et entre-temps, il y a un voleur qui est rentré par la fenêtre. Il est chayav ou il est dispensé? Eh bien, c'est simple, un Shomer Chinam, il sera dispensé parce que Shomer Chinam, il n'est pas rémunéré. Et donc, de ce fait, il garde selon ce qu'il doit garder, de manière générale. Autant qu'il aurait fait pour son propre bien, il fait pour le bien de l'autre. Mais par contre, pour le Shomer Sachar, puisqu'il est rémunéré pour garder, alors il devra nécessairement. Rester à côté de l'animal et se chayav si il y a un voleur qui est venu en cacher. D'accord ? Dirtiv, Im Gano, Viganev, mais Imo, Yachalem, les balav, comme le pasuk nous dit, s'il a été volé de ses mains, il devra le payer au propriétaire, Vavadim, et Karkaot, Veshtarot, et Nomeshalem. Les esclaves et les terrains, les biens immobiliers, les Shtarot, et Nomeshalem, il ne devra pas les payer malgré tout s'il a fauté, s'il a failli à les surveiller comme il fallait. Dirtiv et Shomer Sachar, comme le pasuk nous dit dans le Shomer Sachar, c'est encore un autre pasuk, c'est la parasha juste après, Kiten, Ishan, Reu, Klal. Lorsqu'un homme donnera son prochain, généralité, Chamor, Oshor, Ose, Vechol, Behema, un âne, un taureau, un mouton, ou tout animal, Prat, on a donné des détails, Lishmor, a gardé, Chazar, Vekalal, Vechoulé, Kedaronanel. Même le Bartanora, il est fatigué de répéter trois fois dans la même Mishnah le principe, donc il nous dit, allez, va le voir alors. Re'ehu, puisqu'il y a marqué là-bas, Kitan Echel, Re'ehu, à son prochain, de nouveau, Ktiv, Beshemer, Chinam, ou Beshemer, Sachar. C'est écrit aussi bien dans le Shemer, Chinam, que dans le Shemer, Sachar, ton prochain, Demashma, Re'ehu, Velosh, Al-Gdesh. De là, on déduit que c'est Re'ehu, à ton prochain, et pas au Gdesh. Beshoel, Vesocher, Luz, Kerukan, Les Maote, Bawa, Vadim, Ekarkaot, Vesterod, Vesgdeshot. Le Bartanora se casse la tête sur un petit détail, sur le fait que la Mishnah n'a pas évoqué, si déjà tu parles des Shomrim, dans les Shomrim, Shomer, Chinam, Shomer, Sachar, mais aussi Shoel, Vesocher, celui qui emprunte et celui qui loue. Pourquoi la Mishnah ne les a pas enseignés? Réellement, ils sont exclus même d'eux. C'est-à-dire, si j'emprunte une maison de quelqu'un, et pendant que la maison, ouais, vous savez bien, Shoel Chayav Beomsim, lorsque j'emprunte ce stylo à quelqu'un, d'accord? Si ce stylo, ben, il y a le plafond qui tombe dessus et qui écrase le stylo, je dois quand même le rembourser si je suis un Shoel. Shomer Chinam, Shomer Sachar, je suis pas tour. Mais un Shoel, c'est des notions qu'on avait apprises longuement dans Baba Metzia. Le Shoel, celui qui emprunte, il devra malgré tout le rembourser. Et malgré tout, dans les Karkaot, il est dispensé, ça on le sait.
Il n'y a pas de doute. Si j'emprunte la maison de quelqu'un, et pendant que je suis en train de dormir, il y a un tuyau qui explose, eh ben, je ne serai pas khayav de payer comme un shoel. Parce que dans les shoel, il n'y a plus les dîners shoel. D'accord? Parce que c'est exclu aussi de même sukim. Donc là, ça c'était l'introduction pour comprendre la question du partenaire oral. Pardon, on va se poser une question. Alors finalement, pourquoi tu m'as pas enseigné dans ma Mishnah que le shoel, il n'est pas tour de Abadim et Karkaot? Sur ça, et ou bien à la même chose aussi avec les terrains, avec les shtarot, il a voulu prendre le contrat de quelqu'un pour aller faire le beau avec en disant regardez, il y a quelqu'un qui me doit 10 millions de dollars. Et il a emprunté, ensuite il a perdu le shtar. Eh bien, il ne devra pas le rembourser, même s'il était shoel. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est exclu de ses psukim. Alors pourquoi la Mishnah ne l'a pas enseigné? C'est le problème du Bartanora. Il nous explique que le Bartanora, de l'Oshan Yarchela, Bekarkaot, de l'Obechtarot, à la Rove. En général, un karka ou des contrats, c'est pas quelque chose qu'on emprunte. De ce fait, c'est un peu lourd d'insister. Ouais, l'histoire que je vous ai. Elle était farfelue, mon histoire, d'emprunter un terrain pour montrer, aller faire le beau. C'est trop bizarre comme histoire. Donc de ce fait, il a pas fallu, la Mishnah n'a pas eu d'intérêt à l'enseigner, même si la fin elle est réellement vraie. Mais quand Sheken Srirut, Shenosh, Ayach, Bishtarot, idem aussi pour la location, on ne loue jamais un contrat de quelqu'un. Vechen, Lo Shayach, She'elav, Srirut, Behegdesh. Idem aussi, ça n'existe pas chez Elav Srirut d'emprunter ou de louer un bien qui appartient à Hekdesh. Pourquoi? Chassour, la Shil, la Skir, Hekdesh. Parce que c'est interdit de louer ou de profiter d'un bien du Hekdesh. On a fini toute la première partie de la Mishnah. On se concentre maintenant, il n'y aura même pas de Bartanora sur la dernière partie de la Mishnah, mais je voulais malgré tout mettre le zoom dessus, être plus calme. On a fini l'essentiel de la Mishnah, notion bien connue, c'est parti vite, mais je pense que vous avez tout compris. Et maintenant, on fait la deuxième partie de la Mishnah. Rabbi Shimon, non mais Rabbi Shimon nous enseigne. Kodashim shechayav b'achariyotan nishba'in alehen. Si c'est des biens du Hekdesh sur lesquels il est chayav, il a le devoir de les assurer. On va expliquer c'est quoi. Nishba'in alehen, dans ce cas-là, on pourra lui imposer de jurer. Vesheino chayav b'achariyotan, par contre, s'il n'est pas redevable de les assurer, en nishba'in alehen, alors il n'aura pas besoin de jurer. On va illustrer ça de manière très simple. J'ai un mouton, j'ai une vache, plutôt un taureau, que je veux rendre shlamim. D'accord? Un taureau que je veux l'apporter en korban shlamim au Beth Amikdash. Si ce taureau shlamim meurt, est-ce que j'ai un devoir d'apporter un autre shlamim à la place? Ouais. Si j'ai dit que je vais donner ce stylo au Beth Amikdash, ce stylo, eh ben, il disparaît. Il y a quelqu'un qui vient qui le casse. D'accord, il n'y a plus rien à récupérer. Est-ce que je dois amener un autre stylo à la place? Tout dépend de la manière dont je me suis engagé au Beth Amikdash. Si j'ai dit que je vais donner un stylo, et après en deuxième temps je suis venu, j'ai désigné, tiens, je vais prendre ce stylo, celui-ci devient Hekdesh. Alors là, puisque le devoir d'apporter c'est Aré Alaï un stylo, c'est moi qui dois apporter un stylo. J'ai désigné celui-ci, certes, par lui je vais pouvoir m'acquitter à la porte du Beth Amikdash, mais si lui disparaît, je garde le devoir sur moi d'apporter le stylo. À la différence que si jamais ce stylo je le vois, je dis ce stylo je le donne au Hekdesh. Dans ce cas-là, je restreins mon Hekdesh, j'ai sanctifié uniquement ce stylo et rien d'autre. Donc si ce stylo disparaît, j'ai plus de devoir d'assurer et d'apporter un autre. C'est ce qu'on appelle, selon le cas, si j'ai dit Aré Alaï, ça s'appelle que je suis Chayav Bachariyuto, je suis redevable de l'assurer, de le garantir pour le Beth Amikdash, ou si j'ai dit Aré Ize Hekdesh, ce stylo sera au Hekdesh. Alors dans ce cas-là, je ne suis pas Chayav Bachariyuto. C'est une notion qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. D'ailleurs, c'est la même Mishta dans ma Baritia. D'accord? On a deux manières de prononcer. Eh bien, Rabbi Shimon nous enseigne. Sache que si ce stylo, certes, il appartient au Hekdesh, mais lorsque je l'ai sanctifié, j'ai dit Aré Alaï d'apporter un stylo. C'est moi qui vais devoir apporter un stylo. Et après, j'ai désigné ce stylo. Ce stylo, certes, quand je le désigne, il appartient au Beth Amikdash. Mais étant donné que grâce à lui, ce stylo me sert à m'acquitter de ma dette d'apporter un stylo au Beth Amikdash, alors j'entretiens avec lui un rapport d'argent comme si il m'appartenait. Soit j'ai dit Aré Alaï d'apporter ce stylo, j'ai ensuite désigné ce stylo, grâce à ce stylo, je m'acquitte de ce devoir. Celui qui va venir, qui va me voler ce stylo, eh ben on va considérer qu'il a volé à moi. Même si réellement, le propriétaire attitré, c'est le Hekdesh, c'est le Beth Amikdash, c'est pas moi. Mais puisque grâce à lui, je me dispense d'apporter un stylo, donc lui, il représente pour moi 10 shekels, même si les 10 shekels, je suis pas le propriétaire attitré de ces 10 shekels. La notion, elle est claire? D'accord? Et bien c'est ce qu'il nous enseigne maintenant Rabbi Shimon. Étant donné que grâce à ce stylo, je peux m'acquitter de mon devoir, et que si ce stylo disparaît, je vais devoir payer de ma poche, si je le transmets à quelqu'un à le garder, et que celui-ci, il est dans la lune, et il le perd, alors je vais pouvoir lui imposer de jurer. Jure-moi que tu n'as pas été fautif
Pourquoi? Parce que ce stylo, pour moi, il représente de l'argent. Même s'il ne m'appartient pas, je ne suis pas le vrai propriétaire. Mais puisqu'il est ce qu'on appelle davar ha-gorem le mamon ke mamon dami, puisque grâce à lui, il me permet de me dispenser d'une dette d'argent, il est considéré comme un argent, comme un bien à moi. La notion est claire, j'espère. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de aslacha, kol tov, c'est là.